Ok. Bonsoir, rebonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation, à cette présentation de ce soir, de ce magnifique projet des moteurs Douyounov. Un projet qui est accompagné par l'entreprise Solago. Je m'appelle Victor Essombert et j'ai le privilège ce soir de vous présenter ce service de la part de Gilles Verbet, notre partenaire national, j'ai envie de dire notre partenaire africain, tellement il est dynamique, tellement il œuvre à pouvoir permettre à toute l'Afrique de pouvoir profiter de ce formidable projet, comme c'est le cas des autres continents, vous le comprendrez tout à l'heure. Merci encore d'être là. Nous allons passer à la présentation de ce projet particulier, de ce projet spécial. Je vais dans un premier temps faire la présentation et dans un second temps, je vais ouvrir la page des questions-réponses afin que vous puissiez poser toutes vos questions et avoir toutes les réponses vous permettant de mieux comprendre ce projet. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du financement participatif. Il s'agit de l'investissement participatif qui est le cœur de métier de l'entreprise Solago. En fait, vous l'avez compris, il s'agit d'une entreprise qui travaille à mobiliser des fonds, à lever des fonds pour le financement, pour l'accompagnement financier des start-up ayant des projets écologiques, ayant des projets rentables. C'est ainsi que cette entreprise actuellement accompagne le projet des moteurs Douyounov. Et c'est ce projet que nous voulons vous présenter par ma voix ce soir, afin que vous puissiez comprendre de quoi est-ce qu'il est une véritable solution pour le monde, en quoi est-ce qu'il est une véritable opportunité pour vous et toutes les générations après vous. Donc, c'est un projet qui nécessite des fonds, c'est un projet qui nécessite des investissements et Solago accompagne ce projet, accompagne cette structure, vous assurez davantage tout de suite pour la réalisation de ce projet. Au moment où nous vous présentons ce projet, c'est pour que vous puissiez que ce soit en tant qu'investisseur, en tant que partenaire, rejoindre ce projet et améliorer votre situation socio-économique. C'est quoi le projet des moteurs Douyounov? Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que Douyounov est ce monsieur que vous voyez à l'écran. Il s'agit d'un ingénieur russe qui, depuis bientôt 15 ans, fait des recherches sur des moteurs électriques. Il s'agit d'un monsieur de la science, de l'ingénierie, connu et reconnu en Russie et dans le monde aujourd'hui, comme quelqu'un qui est un pionnier des nouvelles solutions en matière de bobinage, des moteurs électriques. Oui, il a développé une technologie appelée la technologie de bobinage combiné Slavyanka. Il s'agit d'une technologie qui transforme, qui révolutionne le bobinage des moteurs électriques. Donc, il est l'un des fondateurs du groupe de recherche et de production de la société ASBP. Douyounov Dmitri est aujourd'hui propriétaire de plusieurs brevets d'invention. Il en a à son actif, en son nom, 17 brevets d'invention autour de cette technologie que nous sommes en train de vous présenter. Vous comprenez donc qu'il ne s'agit pas d'une simple invention, mais il ne s'agit pas d'une reproduction, il ne s'agit pas d'une imitation, mais il s'agit d'un véritable produit de recherche reconnu pas seulement en Russie, pas seulement en Europe, mais dans le monde. Ce monsieur a aujourd'hui 17 brevets à son nom,
mais ce n'est pas tout. Il est aujourd'hui pratiquement à 23 brevets, dont 5 brevets, dont 5 à 6 brevets ont été brevetés au nom de l'entreprise sous laquelle il fonctionne. Donc, cette technologie dont on vous parle a une reconnaissance officielle internationale, d'où un peu comme les pères de la science qui reconnaissent dans cette technologie une véritable solution en matière de bobinage des moteurs électriques. Voici à l'écran un des moteurs, l'un des types de moteurs utilisant cette technologie. Vous pouvez remarquer ici ce bobinage, ces fils métalliques qui en fait représentent le bobinage et qui sont utiles dans la transformation de l'énergie mécanique à l'énergie électrique, permettant, n'est-ce pas, de l'énergie électrique, autant pour l'énergie mécanique, permettant à l'appareil, on va voir plusieurs appareils, de fonctionner. Et vous allez comprendre qu'en fait, il s'agit d'une véritable solution que le monde aujourd'hui recherche au moment où on parle de pollution, au moment où on parle des gaz à effet de serre, avec tout ce que cela apporte comme transformation négative dans l'environnement. Aujourd'hui, le monde entier, aujourd'hui, tous les pays du monde recherchent une solution écologique, une solution qui permettrait de sortir des moteurs ou alors de tous ces équipements-là qui utilisent du carburant, des gaz à effet de serre et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est véritablement une solution et on va le voir parce que les moteurs Bourgneuf sont une solution ou sont une opportunité en ce sens que quand vous regardez aujourd'hui le nombre de moteurs utilisés dans le monde, on est à plus de 10 000 moteurs électriques asynchrones utilisés dans le monde. 10 000 types, je voulais dire, 10 000 types de moteurs. Donc, la solution apportée ici trouve un marché réel, un marché immense à l'échelle de la planète. Parce que, vous devez le savoir, sur les 10 000 types de moteurs asynchrones qui existent dans le monde, il y a chaque année 7 milliards de moteurs qui sont remis en fabrication, qui sont remis en gosse. Donc, la solution aujourd'hui que le Solar Group accompagne, la solution, la technologie de bobinage à Slavianka, trouve une véritable demande, trouve un véritable problème parce que tous ces moteurs qui sont remis en cause, qui sont remis en réparation, sont un marché potentiel pour cette technologie. Mais mieux encore, pour que vous compreniez l'impact de cette technologie, sachez que cela fait 60 ans que les moteurs asynchrones, les moteurs électriques n'ont pas connu une véritable transformation, n'ont pas connu un véritable changement, n'ont pas connu des mises à jour importantes. Aujourd'hui, avec la technologie de bobinage, selon la Slavianka, la technologie de bobinage de Slavianka, on assiste depuis 60 ans à une véritable transformation des moteurs asynchrones, à une véritable amélioration, un véritable changement significatif dans les moteurs électriques. Et ça, cela devait vous montrer la puissance de cette technologie et son impact et du coup l'opportunité qu'elle représente pour le marché. Sachez aussi que 60% de l'électricité dans le monde est consommée par les moteurs électriques asynchrones. Est-ce que vous vous imaginez, est-ce que vous vous rendez compte? 60% de la consommation, imaginez toute la consommation électrique dans le monde. Sachez que 60% de cette consommation sont utilisés par les moteurs électriques asynchrones. Or, c'est sur ces moteurs électriques asynchrones que la technologie agit. Donc, c'est un marché vaste. Pour vous donner une idée encore plus précise, 12 moteurs asynchrones sont utilisés par habitant sur la Terre.
C'est-à-dire que chacun de nous, lorsqu'on fait du moyen, c'est-à-dire lorsqu'on compte la quantité de moteurs disponibles dans le monde, utilisés dans le monde, versus le nombre d'humains, on est dans un ratio de 12 moteurs par humain. Ça montre un marché réel, ça montre un marché intense, un marché vrai, et cela, en tant qu'investisseur potentiel que vous êtes, cela doit vous montrer que vous allez investir, vous êtes en train de vous intéresser à un produit, à un service, à une solution dont la demande existe. Et je pense que pour des investisseurs aguerris, c'est une information importante. Vous me poserez la question, les moteurs asynchrones, où est-ce qu'on les utilise? J'ai juste envie de vous répondre, les moteurs électriques asynchrones sont utilisés pratiquement dans tous les secteurs du monde, dans tous les secteurs de notre vie quotidienne. Que ce soit dans nos domiciles, vous avez des ventilateurs, vous avez des climatiseurs dans vos maisons. Dans ces ventilateurs, dans ces climatiseurs, vous avez, dans les ventilateurs, ouvrez le derrière le capot de votre ventilateur. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un moteur avec un bobinage. Si vous regardez votre climatiseur, vous allez vous rendre compte qu'il y a un moteur dans le dispositif de, qui vous produit de l'air à l'intérieur de la partie visible qui est appelée climatiseur qui se trouve à l'intérieur de la maison. Mais il y a aussi un moteur électrique dans la partie extérieure du climatiseur. Vous utilisez des appareils électroménagers, des frigos, des moulinets, comme on dit, c'est-à-dire des machines à écraser, et tout un ensemble d'autres matériels. Dans tous ces appareils-là se trouvent des moteurs électriques, des moteurs asynchrones. Ça, c'est qui est dans le futur. Mais quand vous regardez dans tous les autres, que ce soit dans le domaine de l'agricole, avec tout ce qu'il y a comme tracteur, tout ce qu'il y a comme machine, quand vous regardez le domaine du transport, avec tout ce qu'il y a comme appareil roulant, je vais vous surprendre. Aujourd'hui, avec les moteurs électriques, il y a déjà des pays dans le monde qui ont des vélos, des bicyclettes électriques. Donc, comme vous dites, les moteurs électriques sont utilisés dans tous les secteurs du monde, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans les infrastructures Internet, à travers tous les data centers qui sont installés, que ce soit dans l'industrie du divertissement, les appareils de jeu de divertissement qu'il y a dans les parcs utilisent des moteurs électriques, que ce soit dans l'aviation, les avions. Donc, c'est un marché immense dans lequel, vers lequel s'oriente cette technologie, auquel s'attaque, dans lequel se positionne la technologie de bobinage Slavianka, c'est-à-dire les moteurs de Touyounor. Chers invités, je vous présente ici à l'écran une image de ce moteur. Vous allez vous rendre compte que le moteur que vous voyez derrière, les moteurs que vous voyez derrière sont les moteurs dans la version la plus utilisée depuis plus de 60 ans aujourd'hui. C'est des moteurs dont le monopole de construction, de fabrication est détenu par les Chinois à cause de la présence ou à cause de la nécessité d'utiliser certains appareils, certains composants, comme vous pouvez le voir celui-ci, dont les matières premières pour fabriquer ces composants sont beaucoup plus en Chine. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, la Chine, l'Asie, j'ai envie de dire, est détentrice de la majorité de la production des moteurs. Mais la bonne nouvelle pour le monde, c'est que avec les moteurs de Touyounor, c'est une nouvelle approche de conception, de fabrication des moteurs. C'est une technologie encore plus puissante, c'est une technologie encore plus accessible parce que, en fait, avec ces moteurs, tout, ce n'est plus les composants utilisés pour fabriquer ces moteurs ne sont plus seulement des composants qu'on produit, mais que l'on trouve un peu partout dans le monde. Donc, avec ce que cela va donc avoir comme avantage, non seulement au niveau du coût, de la puissance et tout, mais voilà. De donner à tous les pays ou alors à la plupart des pays industrialisés de pouvoir produire ces moteurs. Donc, c'est vraiment, c'est cette partie, c'est cette spécificité-là, c'est cette partie-ci qui fait la spécificité des moteurs de Touyounor. C'est cela qu'on appelle
on parle, c'est pour ça qu'on parle de technologie, le bobinage combiné Slavianka. En fait, chers invités, avant l'arrivée de cette technologie, la plupart des moteurs étaient bobinés selon deux technologies, soit le bobinage triangulaire, soit le bobinage étoilé. Ce que Douyounov a réussi à faire, c'est de combiner ces deux technologies en une chambre, de manière à profiter des avantages de chacune des technologies et combiner donc ces deux avantages afin d'apporter effectivement, comme je disais, ces avantages-là à la puissance ou alors au moteur électrique. Donc, avec la technologie de bobinage combiné Slavianka, les avantages qu'on pouvait trouver dans les moteurs bobinés triangulairement ou dans les moteurs bobinés de manière étoilée, tous ces avantages se trouvent dans cette technologie. C'est pourquoi vous comprenez qu'elle a eu des brevets. C'est pour ça que vous allez voir que c'est une technologie aujourd'hui qui est très appréciée, qui est très demandée, dont les impacts, dont les avantages sont reconnus, sont acceptés parce que, en fait, en termes d'avantages, c'est une technologie qui apporte une économie de 40% de consommation d'électricité. C'est-à-dire que si votre climatiseur, le moteur de votre climatiseur, bobiné selon cette technologie-ci, si vous consommez, je dis n'importe quoi, 100 kW d'électricité, vous passez de 100 kW à 60 kW. C'est-à-dire que de manière un peu plus chiffrée, si vous dépensez, je dis n'importe quoi, 100 000 francs de consommation d'électricité, vous passez de 100 000 francs à 60 000 francs. Et la fabrication du moteur avec cette technologie est encore beaucoup plus moins chère. On fait une réduction du prix de l'ordre de 30%. Vous savez que c'est des moteurs qui sont encore plus accessibles. La fiabilité, c'est-à-dire la performance du moteur, est encore plus forte. La durabilité du moteur est encore plus forte. Les réductions de bruit de plus de 30%. Vous imaginez le bruit d'un avion en décollage. Les moteurs de ces avions, s'ils sont recombinés selon la technologie de bobinage combiné Slavianka, ce bruit diminue de 30%. L'efficacité énergétique, c'est-à-dire que la capacité, la dimension des moteurs avec ces technologies est diminuée, passe de la classe IE3 à la classe IE4. Le démarrage est encore plus puissant et encore plus performant. Donc, avec tous ces avantages-ci, cette technologie se place comme une technologie qui va être demandée, qui va être achetée, qui est d'ailleurs appréciée. Et vous pouvez comprendre pourquoi cette technologie aujourd'hui a plus de 17 brevets au nom de M. Douyounov, mais 23 brevets au total pour lui et son équipe. Donc, il s'agit d'une véritable solution qui va être utilisée. Et d'ailleurs, voici quelques appareils tels que vous pouvez le voir, dans lesquels cette technologie a déjà été éprouvée. Il s'agit des vélos électriques, des voitures, des trains, tout type de transport n'est épargné parce qu'en fait, tous les moyens de transport utilisés, que ce soit dans le transport maritime, ferroviaire, voilà, tous ces moyens de transport-là, les moteurs électriques sont utilisés. Donc, c'est des tests qui ont déjà été faits, que ce soit sur des vélos, que ce soit sur des bicyclettes, que ce soit même sur des fauteuils électriques. Aucun véhicule n'échappe à la nécessité d'utiliser cette technologie. Cela, chers invités, devrait vous rassurer, devrait davantage vous encourager d'investir, n'est-ce pas, de vous intéresser à cette technologie. Et la vision de cette entreprise, de cette équipe d'ingénieurs, c'est d'offrir à travers cette technologie la possibilité de réparer le bobinage. J'ai envie d'utiliser le terme de rebobiner des anciens moteurs. Parce qu'en fait, le bobinage à l'initial, c'est le bobinage. Et quand ce bobinage
est détruit, est affecté négativement, ou il faut le réparer, endommager. Voilà. On fait ce qu'on appelle le rebobinage. Donc, avec la technologie de bobinage combinée Slavianka, on aura la possibilité de rebobiner tous les moteurs électriques qui puissent exister dans le monde. Mais avec cette technologie, cette compagnie a aussi la possibilité de fabriquer des moteurs qui viennent initialement avec ce type de bobinage. Donc, ça montre la, l'étendue d'utilisation, l'usage dans le domaine étendu, le domaine d'action étendu de cette technologie. Donc, il ne s'agira pas seulement de produire de nouveaux moteurs, mais avec cette technologie, cette entreprise a la capacité de réparer le bobinage des anciens moteurs. Et au moment où je vous parle, il y a déjà d'utilisation massive, grand public, de cette technologie dans le monde. Et l'un des pionniers, l'un des partenaires de la société Sovelma, qui en vérité est la société qui commercialise cette technologie, l'un de ses partenaires, c'est M. Victor Ariston. C'est un ingénieur allemand qui est basé en Chine et qui fait la promotion de la technologie de bobinage combiné Slavianka dans tout ce qui est équipement, dans tout ce qui est moteur électrique. Donc, il est installé en Chine où il travaille à équiper les appareils, les véhicules, bref, tous les secteurs d'activité qui utilisent les moteurs électriques avec cette technologie. Or, vous savez que le marché chinois est l'un des marchés les plus grands dans le monde et vous pouvez voir que c'est une technologie déjà utilisée. Je ne vous parle pas d'une solution qui va être utilisée, elle est déjà utilisée et aujourd'hui, vous rejoignez un projet qui est réel, un projet qui fonctionne, un projet qui est apprécié, un projet qui est connu et reconnu dans le monde. Voici par exemple des tuk-tuk qui sont utilisés en Asie et qui permettent, qui sont équipés, les moteurs de tous ces appareils sont équipés de la technologie de bobinage combiné Slavianka. Donc c'est des appareils c'est des véhicules qui fonctionnent grâce à cet appareil. Et vous savez aujourd'hui en Inde, l'Inde qui est l'un des pays les plus pollués en matière de gaz à effet de serre, il y a des décisions qui ont été prises par le gouvernement indien de réduire au maximum l'utilisation des énergies non renouvelables au profit des énergies électriques comme celles-ci, qui sont écologiques, qui sont respectueuses de l'environnement et comme on peut le voir, qui apportent beaucoup d'autres avantages. Donc, c'est un marché, c'est plus de 35 000 taxis de tuk-tuk qui pourraient être rebobinés en Thaïlande. C'est un marché de 20 000 tuk-tuk à Bangkok, de plus d'un million de Sri Lanka, de plus de 1 500 000 tonnes. Et ça, vous avez vu, ce n'est qu'une partie du monde. Qu'en est-il de l'Europe? Qu'en est-il de l'Amérique? Qu'en est-il de l'Afrique? C'est juste un marché incroyable. C'est voilà, donc fait le tour de ces pays asiatiques et fait des tests, gagne la confiance des gouvernements et équipe énormément d'appareils. Là, vous pouvez par exemple voir des petits bateaux sur lesquels ces moteurs-là sont équipés, des bateaux qui peuvent prendre plusieurs personnes et qui peuvent fonctionner de manière écologique. Et l'un des avantages, c'est qu'avec les moteurs rebobinés ou alors bobinés ou rebobinés par cette technologie, les bateaux ne font presque pas de bruit. Or, vous pouvez vous imaginer les bateaux lorsqu'ils utilisent ces moteurs-là qui tuent du carburant et tout, c'est un énorme bruit au démarrage. Voici des voiturettes de golf qui utilisent la technologie de bobinage Slavianka. Voici des pick-up, des 4x4 qui utilisent la technologie de bobinage combiné Slavianka. Voici des motos, c'est des scooters. Voilà, c'est des scooters qui utilisent cette technologie. Bref, voici quelques échantillons de cette technologie, de ces moteurs fabriqués. Produits par cette entreprise qui peuvent être vendus comme ça ou alors s'il y a des moteurs existants, cette entreprise a aussi la possibilité de rebobiner les anciens moteurs. Et c'est des moteurs qui sont équipables, qui sont utilisables dans tout type de véhicules
que ce soit des camions, que ce soit des tracteurs, selon la puissance nécessaire pour l'équipement dans lequel le moteur va être utilisé. Donc, je ne vous parle pas d'un projet virtuel, je ne vous parle pas d'un projet qui n'a pas de référence, c'est un projet aujourd'hui qui est pratique, qui est réel, qui est utilisé, qui fait ses preuves et qui n'a que besoin, qui n'attend que vous pour pouvoir davantage conquérir le monde. Et ici, par exemple, vous avez ce créneau dans un parc en Russie qui a été équipé d'un moteur ayant le bobinage selon la technologie de bobinage combinée Slavianka. Et c'est l'ingénieur André Lobov, qui est un partenaire de Sovelmag, qui a fait cette installation. Et vous pouvez voir comment c'est agréable, comment c'est une véritable fierté pour lui et pour tous les investisseurs de ce parc, de voir qu'ils peuvent équiper leurs appareils avec une technologie écologique, une technologie rentable, une technologie moins coûteuse et rendre le créneau encore plus performant. Voici par exemple des équipements qui utilisent cette technologie avec des panneaux solaires. Et lorsque l'énergie est captée par ces panneaux solaires, le moteur, avec la technologie de bobinage Slavianka, transforme l'espace d'électricité en énergie mécanique. Vous avez là des petits véhicules, vous avez là des motos de course puissants qui demandent une forte puissance. Nous avons les moteurs qui peuvent être utilisés, qui peuvent apporter des solutions à la performance de ce moteur. Et si parmi vous, vous serez intéressé de savoir comment rentrer en partenariat avec l'entreprise pour pouvoir profiter de la technologie. Voici quelques contacts. Comme quel que soit là où vous êtes dans le monde, vous pouvez écrire à M. Victor Arestov. Il va prendre attache avec vous et vous verrez comment installer, why not, une ingénierie, des centres d'études, des bureaux d'études. Ou alors, si vous avez des moteurs, si vous avez, je dis n'importe quoi, une industrie pour laquelle vous souhaitez que vos moteurs soient recombinés, vous pouvez prendre attache avec Victor Arestov, c'est le partenaire, c'est le fabricant. Et nous avons quand même des distributeurs de ces moteurs dans le monde à la personne d'André Lobov. Donc, vous avez tous leurs contacts là. Vous pouvez rentrer en contact avec eux pour bénéficier de cette technologie. Une fois que je vous ai présenté le projet, une fois que vous avez compris que vous allez investir dans une entreprise qui travaille sur une solution réelle, sur une solution qui a une véritable demande, laissez-moi maintenant vous parler de ce pourquoi je vous ai invité, de ce pourquoi nous vous avons invité, vous donner la possibilité de rejoindre le financement de ce projet. Parce que, en fait, pour pouvoir développer l'exploitation commerciale de cette technologie, l'entreprise Sovelmag a choisi de se faire financer par la technique de financement du crowdfunding. Elle aurait pu choisir d'aller auprès des banques. Elle aurait pu choisir de se rapprocher des gros investisseurs. Mais vous savez, les banques sont très protocolaires. Vous savez, les gros investisseurs, c'est des personnes qui, lorsqu'ils rentrent dans votre projet, ils sont prêts, avec leur puissance financière, de décider de faire des orientations qui peuvent être loin de la vision des pères fondateurs de la technologie. Aujourd'hui, la stratégie de financement du crowdfunding montre ses preuves et est une stratégie de financement puissante, certaine et qui permet à des start-up comme cette start-up russe de pouvoir développer sa technologie. Donc, c'est un projet qui a été lancé depuis 2017. J'ai envie de dire, c'est la mobilisation, la partie mobilisation des fonds a été lancée depuis 2017 et nous sommes aujourd'hui vers la fin parce que, en fait, la collecte des fonds, la mobilisation des investisseurs pour apporter le financement à ce projet devrait se faire en 20 étapes. En 20 étapes pendant 4 ans. Pour un objectif de 50 millions de dollars. Donc aujourd'hui, nous sommes rendus à la 16e étape. Il ne reste que 4 étapes avant la clôture de la collecte, de la mobilisation des fonds pour le financement de ces projets. Donc, vous avez la possibilité de devenir donc investisseur, d'acheter des parts d'investissement dans ces projets, afin que
Aujourd'hui, tous ces parts d'investissement coûtent excessivement moins cher. Vous puissiez les acheter à bas prix, apportant ainsi votre financement, votre soutien financier à l'entreprise à ce stade pour la réalisation, le développement et le passage à l'exploitation commerciale de cette solution. Mais lorsque ces parts d'investissement plus tard, l'entreprise va passer à sa phase d'exploitation massive commerciale, c'est par l'investissement de décors des actions qui vous permettront de recevoir soit des dividendes, soit alors de les revendre dès la créée en bourse. Donc, vous avez là donc aujourd'hui la possibilité d'acheter des parts d'investissement et de profiter de ces étapes. Parce que aujourd'hui, nous sommes à la 16e étape sur les 20 étapes que constitue la mobilisation de ces fonds. Ce que vous devez savoir, c'est que plus les étapes avancent, plus la valeur des parts d'investissement est chère. Parce que vous pouvez comprendre bien évidemment que dès les premiers jours de l'étape, le projet était encore à sa phase, j'ai envie de dire virtuelle, à sa phase encore... C'était encore dans la tête des ingénieurs. Ils étaient encore en train de formaliser, en train de dessiner les maquettes. Donc, il n'y avait encore rien de concret. À cette époque-là, en 2017, vous pouviez acheter une importante quantité de parts à vil prix. Mais de plus en plus, il y a eu des brevets, il y a eu des prototypes, il y a eu déjà des partenariats, il y a eu déjà la confiance de certains gouvernements. Et le niveau de réalisation du projet est très avancé. Aujourd'hui, donc, les parts commencent à se faire de plus en plus chères. Nous sommes là à la 16e étape. Il reste 4 autres étapes. Donc, le meilleur moment pour vous d'acheter des parts, c'est maintenant. Parce qu'à tout moment, nous pouvons passer à l'étape 18. Et why not même à l'étape 19? Parce que rien n'oblige la compagnie à respecter chronologiquement ces étapes. D'ailleurs, par le passé, on l'a vu passer d'une étape à 2 ou 3 autres étapes plus en avant. Pourquoi? Parce que selon que les rentrées de fonds se font, selon que les réalisations du projet vont beaucoup plus vite, elle tire, n'est-ce pas, vers la clôture de son projet. Donc, chers invités, ce projet d'investissement vous donne la possibilité de détenir des parts d'investissement dans cette entreprise qui travaille sur une technologie qui est viable, une technologie qui est crédible, une technologie qui a de la demande, qui a de la valeur et qui va assurément réussir commercialement lorsqu'elle sera mise en marché. Je m'en vais vous parler de combien coûtent aujourd'hui les parts d'investissement si jamais vous voulez en acheter. Rendu à la 16e étape, vous avez la possibilité d'acheter des parts en ce qu'on appelle des packs. Les packs, c'est quoi? C'est une quantité de parts d'investissement. Donc, il y a donc des packs selon des budgets. Le premier pack commence à $500. Ne vous inquiétez pas, je parlerai tout à l'heure de francs CFA, de la valeur en francs CFA. Il se trouve que le dollar est la monnaie commerciale. Est la monnaie business dans le monde, donc ça fait que nous utilisons la valeur qui permettrait à, pas seulement aux Camerounais, mais aux Africains, pas seulement aux Africains, aux Européens, bref, à tous ceux qui puissent nous suivre, de pouvoir rapidement faire les conversions à leur monnaie locale ou alors d'avoir une idée de la valeur du pack en monnaie dollar. Donc, vous pouvez acheter des packs à partir de $500, $750, $1000, $1500. Par exemple, le pack de $500, selon le nombre de mensualités qui vous convient de le payer, vous avez cette quantité de parts dans chaque pack. Regardez, si vous décidez de prendre un pack de $500 et de le payer seulement en une seule mensualité, vous aurez 62 500 parts. Mais si vous décidez de prendre le pack de $500 et de le payer en 10 mensualités de $50 chacune, vous aurez jusqu'à 60 000 parts. Sauf que, cher invité, lorsque vous êtes détenteur d'une telle quantité de parts, sachez que à l'entrée en bourse, une part d'investissement coûtera $1.
Ça veut dire que étant détenteur de 60 000 parts, à l'entrée à bourse, vous serez capable, vos 60 000 parts auront une valeur de 60 000 dollars. Parce que si une part vaut rien 1 dollar, ça fait 60 000 parts multipliées par 1 dollar. Donc, ces 60 000 parts que vous achetez aujourd'hui à 500 dollars, à l'entrée en bourse, vous aurez environ 60 000 dollars. C'est ça la puissance, l'opportunité, l'intérêt de rejoindre un projet comme celui-ci lorsqu'il est encore dans sa phase de réalisation. Souvenez-vous des entreprises comme Facebook, des entreprises comme Amazon, des entreprises comme Alibaba. Toutes ces grandes entreprises ont été financées par le financement participatif, par le crowdfunding. Il y a eu des milliers de personnes qui ont eu l'information lorsque ces entreprises étaient encore dans leur phase de réalisation, dans leur phase de conception, dans leur phase de mise en place, de pouvoir acheter des parts d'investissement comme vous avez aujourd'hui l'opportunité. Ils ont saisi cette opportunité et aujourd'hui, ces entreprises sont devenues des méga puissantes structures rentables. Et vous vous imaginez bien que les investisseurs de cette époque aujourd'hui se font énormément d'argent, soit à travers les dividendes que cette entreprise leur reverse, soit à travers les reventes de leurs actions à d'autres investisseurs. Je vous convie à aller faire des recherches sur la valeur des actions de Google, la valeur des actions d'Amazon, la valeur des actions de Apple, vous verrez que c'est juste puissant. Or là, vous avez aujourd'hui la possibilité à 500 dollars, à 700, à 1000, à 2000 dollars d'acheter, regardez les quantités de parts. C'est-à-dire, regardez, en fait, voici la valeur actuelle de ces parts, selon le pas que vous prenez. Mais imaginez que à l'achat en bourse, cette valeur-ci croît et passe à 1 dollar. Par exemple, avec le pack de 2000 dollars, une part d'investissement vous revient à 0,006 dollars. Mais dès l'entrée en bourse, d'ici quelques années, cette valeur passera à 1 dollar. Ça veut dire que vous pourrez revendre cette action que vous avez achetée à ce prix à 1 dollar et regarder le paquet d'argent que vous pourrez, le paquet de marge, le paquet de bénéfices que vous pourrez faire. Donc vraiment, guys, chers invités, je vous encourage à pouvoir acheter ces parts parce que là, on parlait tout à l'heure de la valeur en dollars, mais voici la valeur en francs CFA. Lorsque vous parlez d'un pack de 500 dollars, en fait, cela fait environ 350 000 francs avec le dollar estimé à 700 francs. À 700 francs. Donc maintenant, vous pouvez acheter le dollar à beaucoup moins que ça. Ça veut dire que le pack vous reviendra davantage moins cher. Donc, vous avez la possibilité d'acheter un pack de 1000 dollars qui ne vous fait qu'en fait 700 000 francs. Donc, vous déboursez aujourd'hui 700 000 francs pour acheter près de 135 000 parts. Et les 135 000 parts, d'ici quelques années, à l'entrée en bourse, auront une valeur de 94 millions. Donc, vous dépensez 700 000 francs pour d'ici 3 ans, 5 ans, même plus de 5 ans, vous exposez à une fortune de 94 500 000 francs. Chers invités, c'est comme ça qu'aujourd'hui dans le monde, les grands hommes que vous connaissez aujourd'hui comme les puissants investisseurs, à la personne de Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, et tous ces grands investisseurs se font de l'argent. C'est en achetant des parts d'investissement à vil prix lorsque les entreprises sont encore à leur phase de mise en œuvre et en revendant plus tard ces parts d'investissement lorsque l'entreprise a explosé, lorsque l'entreprise réussit, rayonne et est dans sa pleine exploitation commerciale. Donc les packs commencent à partir de 500 dollars, c'est-à-dire 350 000 francs, mais vont jusqu'à plus de 250 000 dollars. Et nous ne pouvons que vous encourager à prendre des packs de montants un peu plus forts, sans pour autant être des conseillers financiers ou des conseillers en investissement. Mais nous pensons que, et je pense, moi personnellement, comme moi d'ailleurs je l'ai fait, qu'en prenant un pack de montants un peu plus élevé, vous augmentez vos chances, vous augmentez votre fortune potentielle. Voilà, donc c'est juste un partage d'informations avec vous. Mais nous ne sommes pas
comment dirais-je, c'est à vous de voir la valeur du pack qui vous intéresse. Vous pouvez aller à 2 000 $, à 5 000, 5 500, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, selon vos ambitions et selon vos objectifs de gain. Donc, ces parts d'investissement, à l'entrée en bourse, vous pourrez les revendre et gagner de l'argent. Je vous ai dit, vous les achetez aujourd'hui à 0,006 et vous les revendrez à 1 $. Vous pourrez décider de garder ces parts d'investissement en tant qu'action et demeurer, garder le statut d'actionnaire de l'entreprise et recevoir une partie de 50% des dividendes que cette entreprise versera périodiquement à ses investisseurs, à ses actionnaires. Donc, voilà les deux raisons pour lesquelles vous êtes appelé à investir dans cette opportunité. Il s'agit d'acheter des parts aujourd'hui à vil prix, de les revendre plus cher demain, ou alors garder ces parts et recevoir périodiquement les dividendes. Et ces dividendes, vous les recevrez aussi longtemps que l'entreprise vivra et aussi longtemps que vous garderez la propriété de ces investissements. Alors, lorsque vous avez investi, qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez d'abord un contrat. L'entreprise vous génère de manière numérique un contrat qui reconnaît votre statut d'investisseur dans ce projet. Et lorsque vous avez terminé le paiement de vos parts, vous recevez un certificat qui confirme que vous êtes détenteur de parts d'investissement dans cette entreprise. Et cela, c'est un héritage que vous pourrez garder et laisser à vos enfants parce que même après votre mort, même après que vous ne soyez plus de ce monde, vos héritiers, vos enfants, les générations après vous pourront effectivement s'en prévaloir. Bien évidemment, si demain après demain vous n'êtes plus de ce monde, il faudra simplement que vos ayants droit utilisent ces papiers si vous rentrez en contact avec l'entreprise et s'accorder sur les personnes qui sont dignes, n'est-ce pas, de bénéficier de la continuité des paiements, que ce soit des dividendes ou alors de la vente des actions que vous aurez achetées. Donc, vous avez la garantie d'un certificat de participation et d'un contrat qui est protégé. Et ce contrat-là, vous pouvez le recevoir physiquement. Si vous en faites la demande depuis la Russie, on vous enverra votre contrat par DHL. Alors, quels sont les pays aujourd'hui qui sont les plus investisseurs dans ce projet? Vous avez tout d'abord la Russie, c'est naturel, vous me direz, c'est un projet russe, il est normal que les Russes qui ont compris, qui maîtrisent, qui comprennent la puissance, soient les plus grands investisseurs dans ce projet. Mais, chers invités, si vous voyez les Russes, des gens croient, des gens rigoureux, des gens méthodiques, investir autant dans un projet, vous pouvez vous-même tirer les conclusions sur la crédibilité de ce projet. Mais il n'y a pas que les Russes, il y a les Indiens, il y a le Vietnam, l'Indonésie et la Côte d'Ivoire, notre cher pays frère, les Ivoiriens, nos frères de l'Afrique, qui sont aussi l'un des pays les plus grands investisseurs dans ce projet. Oui, vous allez le comprendre un peu plus tard que la Côte d'Ivoire est le premier pays africain à avoir reçu l'information de cette opportunité. Donc, ça fait déjà aujourd'hui plus de 3 ans que les Ivoiriens sont en train d'investir dans ce projet. Mais il y a effectivement, voici le top 10, et voyez, en 11e position se trouve la France, mais il y a d'autres pays africains, et pas seulement la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Togo, mais il y a aussi le Cameroun. Oui, les Camerounais sont aussi investisseurs dans ce projet. Donc, vous êtes appelés, vous êtes encouragés à rejoindre ce projet et devenir propriétaire d'actions, devenir propriétaire de part d'investissement dans ce projet à travers la société Solar Group. Parce que oui, la société Solar Group est la société chargée de mobiliser les fonds, pour ce projet. Donc, Solar Group est cofondatrice, et ça c'est de manière officielle, est cofondatrice et détentrice de 49,5% des parts sociales de l'entreprise de Sovelmash. L'entreprise Sovelmash étant l'entreprise qui vend, qui commercialise cette technologie. Donc, Solar Group, dont nous serons, nous, les actionnaires, sera à travers l'unité juridique propriétaire de 49%. En d'autres termes, nous, investisseurs,
nous serons détenteurs de 49,5% de cette entreprise Sommelmac. Donc, nous aurons 49,5% des dividendes issus des 50% générés. Voici comment est reparti le capital de cette entreprise Sommelmac. La société Sommelmac a trois actionnaires. Tout d'abord, Solar Group qui apporte le financement et par conséquent détient 49,5% des parts. Mais il y a la société, le groupe d'ingénieurs à la tête de laquelle se trouve l'ingénieur Dimitri Bounov, ASAPP, qui a 40%, mais un comité de gestion qui est chargé de s'assurer des intérêts de tout, du bon fonctionnement, de la régularité, de la légalité de l'activité, qui possède aussi 10% de gestion, qui contrôle et qui partagera le bon revenu avec nous, qui partagera avec nous les revenus, les gains, ou alors qui organisera les ventes et les reventes de ces parts d'investissement. Sommelmac est une marque déposée, reconnue officiellement en Russie. Donc, vous comprenez qu'il s'agit d'une entreprise sérieuse qui tient à officialiser tous ces éléments, tant dans le fond que dans la forme. Elle a reçu un certificat officiel. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous verrez de quoi je parle. Aujourd'hui, avec les fonds mobilisés depuis 2017, cette entreprise a déjà avancé dans énormément de réalisations, notamment les installations techniques, les laboratoires de tests, les bancs d'essais, les équipements de fonderie et tout, donc tel que vous pouvez le voir. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui avance véritablement dans son plan, dans son planning, dans son white paper, dans ses différentes étapes de réalisation. C'est pour ça que je vous ai dit souvent que nous sommes à l'étape 16, parce que chaque étape sanctionne un niveau supérieur de réalisation du projet. Donc aujourd'hui, même les bancs d'essais sont certifiés, le laboratoire de l'entreprise aujourd'hui est certifié parce que, effectivement, en attendant la construction du technocentre, de la bâtisse, déjà les différents bancs d'essais, les différents laboratoires sont déjà montés et n'attendent que la bâtisse. Donc, c'est un laboratoire certifié. Ça veut dire aujourd'hui que tous les essais, toutes les machines qui vont être reboutées par cette technologie ont une reconnaissance mondiale parce que cette technologie, elle est certifiée. Cette entreprise va se loger dans une partie, dans un territoire particulier en Russie. En fait, chers invités, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en Russie, l'État a réservé certains territoires, certaines zones géographiques pour des entreprises dont l'État juge être un bijou, être d'utilité publique. Donc, c'est des espaces géographiques où pour qu'une entreprise puisse s'installer là-bas, il faut qu'elle ait reçu l'accord, la validation de l'État russe. Et on appelle cela des zones économiques spéciales. Et à Moscou, dans la capitale, dans la capitale russe, il y a une zone économique spéciale appelée la zone économique spéciale Technopolis. Plus précisément, Zelenograd. C'est là que l'entreprise Sommelmac est en train de construire ses bureaux actuellement. Et ça, chers invités, vous pouvez vérifier cela en allant sur Google. Vous faites des recherches sur la zone économique spéciale Technopolis de Moscou. Vous zoomez et vous allez voir la position de l'entreprise Sommelmac. Donc, c'est une information qui est hautement vérifiable et qui montre la crédibilité. D'ailleurs, voici le site en question tel que vous pouvez le voir. Les travaux ont commencé depuis le premier semestre 2020. Donc, voici la maquette de cette bâtisse, de ce centre, de ce bureau d'études, parce que, je vous l'ai dit, la compagnie entend commercialiser la technologie ou même de fabriquer des moteurs. Donc, il y a un bureau d'études. Voici la maquette qui est en train actuellement d'être construite à Moscou, dans la zone économique de Technopolis. Voici de manière encore beaucoup en image, beaucoup plus en photo, à quoi doit ressembler ce bureau d'études de la société Sommelmac. Cette société a réussi, a eu l'accord, la validation des experts russes. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui fonctionne de manière légale, qui est suivie, qui est certifiée par le gouvernement russe.
Regarde, nous ne vous parlons pas d'une entreprise fictive. Nous ne vous parlons pas des scams. Nous vous parlons d'une entreprise réelle reconnue. Et tout ce que je vous dis là, vous pouvez vérifier. Allez faire des recherches sur le moteur, donc vous verrez que c'est un projet russe qui est suivi par le gouvernement russe. Elle a eu son permis de construire. Lorsque le gouvernement russe vous donne le permis de construire, c'est qu'elle a audité votre business model, c'est qu'elle a pris, vous avez passé les caisses, les examens, c'est pour ça que vous avez les examens d'évaluation, de vérification qui montrent que vous êtes un projet fiable, vous êtes un projet sérieux pour lequel l'État peut s'engager parce que vous allez mobiliser des fonds, non seulement des Russes, mais de plusieurs, de milliers de personnes dans le monde. Le gouvernement russe ne peut pas se dédouaner d'une telle activité. Et pour cela, une entreprise qui doit s'installer doit recevoir l'aval, le permis de construire, la validation de son examen par ce gouvernement-là. Donc les travaux ont effectivement commencé et je vous laisse voir un peu ces travaux qui ont commencé. Donc, vous voyez que le chantier a commencé depuis octobre 2020. Vous voyez les travaux de terrassement. Les travaux de terrassement de cette zone. Vous pouvez vérifier l'existence de cette zone. Vous pouvez, si vous avez même des gens qui sont en Russie, ils peuvent effectivement aller sur ce site et voir les travaux. Voilà, mais ça, c'est les différents bureaux où les experts, les techniciens, les ingénieurs travaillent à la construction. De ce bureau d'études. Vous voyez que même quand même en temps de climat difficile, les travaux ont continué. Pour que le projet ne connaisse pas de retard, là c'est la livraison du matériel des poutres qui vont servir à soutenir la bâtisse, l'immense bâtisse. De ce projet, de ce bureau d'études. Voilà. Vous avez là les différentes structures qui ont été préfabriquées et qui viennent simplement pour être rassemblées. Donc, cela va permettre à un projet d'avancer plus rapidement. Donc, vous voyez que ce n'est pas d'acier qui vont constituer la structure, l'ossature. Donc voilà, vous voyez, même en tant que d'acier, vous savez, en Russie, il fait très froid, il y a énormément de neige, mais bien que cela, les ingénieurs continuent de travailler. Les travaux avancent, les prestataires chargés de construire cet immeuble à des technologies pour pouvoir refroidir, pour pouvoir permettre au béton de se solidifier en ce temps glacial, parce que en ce temps glacial, ce n'est pas toujours évident pour le béton de se solidifier. Donc, cette entreprise n'a ménagé aucun effort pour pouvoir permettre, vous voyez comment on couvre pour laisser, pour permettre à la chaleur de rester et au béton de se solidifier sur les différentes fondations. Voilà. Donc, vous avez là effectivement pu voir le niveau d'avancement des travaux sur ce site. Voilà. Donc, voici à quel niveau aujourd'hui la construction, ça, c'est la poutre. Ça, c'est l'ossature de ce bureau d'études qui est en train. Voilà. Donc, je peux voir encore quelques images. Regardez quelques images de l'évolution des travaux.
Donc là, c'est la pause de la prière pour de ce bureau d'études d'ingénierie de Sovelmac. La pause de la prière pour, c'est un événement symbolique qui marquait, voilà, c'est quelque chose de très symbolique. Vous savez, là, c'est un peu comme la pose de la première pierre. C'est un moment symbolique pour la construction d'un édifice. Et voilà, vous pouvez voir la taille du chantier, vous pouvez voir les travaux. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous ne rejoignez pas un projet qui n'existe pas, un projet qui est virtuel, non. C'est un projet qui est réel. Nous sommes un projet qui est très avancé. Je peux dire, nous sommes à la 16e étape. Et aujourd'hui, nous tirons vers la fin de la mobilisation des fonds parce que l'entreprise est déjà en train d'atteindre son objectif de mobilisation des fonds. C'est bien la raison pour laquelle vous pouvez voir. Et là, vous avez bien écrit Bruno, l'ingénieur. Voilà, lui-même qui suit, qui de temps en temps visite le chantier pour s'assurer de l'évolution. Donc, chers invités, voilà à quoi sert notre argent. Construire ce bureau d'études qui permettrait à cette entreprise de vendre sa technologie de bobinage comme disait Slavianka, de vendre, de produire des moteurs et cela de générer de l'argent pour nous reverser en tant qu'investisseurs à travers des dividendes ou alors pour nous en tant qu'investisseurs de revendre ses parts sociales. Voilà, donc là, par exemple, ça, c'est les premiers moteurs qui ont déjà commencé à être livrés. Là, vous pouvez voir des moteurs avec produits, produits par les ingénieurs de Demetri Bounov qui sont en bas. Et là, je vous présente l'équipe qui dirige l'entreprise chargée de mobiliser les fonds pour Sovelmac, en l'occurrence Solar Group. Donc, vous avez ici, là, Sergueï Semionov, c'est le PDG, c'est le président directeur général, le fondateur, un des fondateurs, n'est-ce pas, de cette entreprise de Solar Group. Vous avez ici le directeur marketing, Pavel Filipov, qui est très présent dans nos manifestations, qui nous accompagne. Vous avez ici le chef de partenariat, Pavel Chatzky, qui est celui, en fait, qui est comme notre chef, si je peux dire, dans une certaine mesure, parce que c'est lui qui est à la tête du département partenariat dans lequel nous évoluons. Et là, vous avez l'informaticien, l'un des fondateurs, n'est-ce pas, avec Sergueï Semionov, à la personne de Ivan Santaglon. C'est un informaticien, c'est lui là, le cerveau de l'ingénierie informatique derrière cette entreprise. Et vous avez là le dynamique, voilà, le très célèbre Gilles Bébert, qui est le partenaire national d'aujourd'hui, plus de 6 pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Cameroun. Voilà donc. Là, c'est pour que vous compreniez que c'est un projet qui est vrai, c'est des personnes qui sont connues, qui sont reconnues. Et lorsque si vous avez l'habitude de participer à nos événements, vous les verrez toujours intervenir. Et d'ailleurs, lorsque nous organisons des événements, comme on l'a organisé tout récemment, et si vous avez d'ailleurs vu la vidéo introductive, vous avez certainement pu voir leurs différentes interventions. Donc, c'est un projet sérieux pour lequel nous vous invitons à nous rejoindre et acheter des parts importantes. Je sais, certains vont me dire, oui, je vous gâche des parts de 5 000 $, mais je n'aurai pas de l'argent. Ne vous inquiétez pas, l'entreprise a mis en place, vous a mis en place la possibilité pour vous de pouvoir faire du partenariat, de devenir un partenaire. Un partenaire, c'est qui? C'est celui-là qui travaille avec l'entreprise à mobiliser des fonds, des investisseurs autour de ce projet. En fait, il a la responsabilité de promouvoir ce partenariat, cette technologie, cette opportunité, afin que tous ceux qui rejoignent cette opportunité apportent leur apport financier. C'est ça être partenaire à ce projet. Et en étant partenaire, vous générez des commissions. Vous générez des commissions. D'ailleurs, vous avez un contrat signé avec l'entreprise qui vous reconnaît officiellement comme un partenaire au projet. Comme un partenaire au projet. Mais en plus de ça, voilà, vous avez des avantages en termes de gains rapides, des commissions, parce qu'à chaque fois qu'un investisseur décide de rejoindre le projet,
vous avez une commission pour avoir, pour être celui qui lui avait présenté, qui lui avait convaincu, qui lui avait recommandé, je voulais même dire qui lui avait vendu le projet. Donc, en étant partenaire, vous avez vraiment vos horaires de travail libres et la structure est transparente et vous avez vos gains en temps réel. Vous avez la possibilité de générer des revenus passifs parce qu'étant partenaire, vous pouvez travailler partout au Cameroun, partout en Afrique, partout dans le monde et développer votre structure numérique, développer votre réseau. Et l'entreprise a mis en place tout un ensemble d'équipements pour vous permettre de facilement faire ce travail de partenariat. Et derrière, vous avez tout un plan de carrière, devenir master, partenaire, spécialiste, master, expert. En fait, le plan de carrière ici est comme une reconnaissance de l'entreprise en tant que partenaire que vous êtes par rapport au volume, vis-à-vis du volume de chiffres que vous faites, vis-à-vis de certain nombre d'objectifs que vous atteignez. Donc, plus vous montez en grade, plus vous passez de partenaire à spécialiste, master, expert professionnel, plus vous gagnez de l'argent. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir ici, que selon que vous avez constitué, selon que vous êtes en train de constituer votre structure, votre réseau, sous la forme du marketing relationnel, en tant que partenaire, vous ne gagnez que de la première génération jusqu'à la quatrième génération. Mais en tant que spécialiste, vous allez jusqu'à la cinquième génération. En tant que master, vous allez à la sixième génération. En tant qu'expert, vous allez à la neuvième génération. Et en tant que professionnel, vous gagnez sur toutes les 20 générations. Vous pouvez vous imaginer, vous avez 0,3, 0,5, croyez-moi, 0,5. Lorsque vous avez 1000, 2000, 3000 personnes que vous avez, à qui vous avez, que vous avez ramené dans le projet et qui ont profité de cette opportunité, croyez-moi, ça fait énormément, énormément d'argent. Voici quelques événements officiels de la compagnie. Ça, c'était le 8 juin 2019, lorsque Gilles Bébert, partenaire national de la France et de 5 pays aujourd'hui en Afrique, recevait la reconnaissance pour voir son installation. Et ça, c'est un moment historique parce que vous avez pu le voir, le staff de Solar Group est parti de la Russie pour venir l'installer. Donc, et là, il avait reçu son certificat. Donc, c'est quelque chose de mémorable. Le 3 août 2019, le premier pays africain, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, recevait sa première conférence internationale et par conséquent, l'ouverture du bureau de représentation. Là, on peut voir effectivement Gilles Bébé, on peut voir tous les responsables, Pavel et tous les autres à l'ouverture de ces grands événements. C'est pour vous dire que c'est des gens qui participent aux événements, qu'on voit, qu'on touche, ce n'est pas des personnes virtuelles, ce n'est pas des personnes qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'était en 2019 à Abidjan, juste avant le Covid. Là, c'est une réunion où les partenaires nationaux de différents pays ont participé. Vous pouvez voir des pays tels que la Bulgarie, bref, de nombreux pays, l'Inde et tout, étaient présents. Et voilà, avec le staff de la compagnie pour faire un point sur les activités. Ça, c'est une autre conférence internationale à laquelle Gilles Bébert, notre partenaire, avait assisté. Et voilà, je vous ai dit, il est partenaire tout d'abord, partenaire de la France. Vous pouvez voir ici tous les pays qui avaient assisté à cette présentation, l'Allemagne, la France, voilà, tous ces pays, l'Inde, tous ces pays, la Bulgarie et tout ça. Donc ça, c'était au Bénin. Après la Côte d'Ivoire, le Bénin est le second pays africain à avoir été ouvert, à avoir découvert cette opportunité. C'est pour ça d'ailleurs que la Côte d'Ivoire et le Bénin aujourd'hui sont les pays africains qui contiennent énormément des milliers de membres investisseurs dans Solar Group. Après le Bénin, c'était le Togo. Voilà, à chaque fois, ça a été des événements où il y avait du monde, où les Africains venaient découvrir ce projet. Et en novembre, décembre, voilà, ça c'est la présentation du projet. Voilà, donc la Côte d'Ivoire a connu énormément d'événements, de présentations dans ces différentes communes et dans ces différentes villes, notamment à Abidjan, à Yopougon, à Gagnoa, à Bosso. Voilà, c'était à chaque fois des événements très connus. Puis le Sénégal a été ouvert, comme vous pouvez le voir là, à travers des conférences internationales, où les autorités ont participé. Et voilà, le Bénin aussi a connu son bureau national, son bureau officiel. Le Bénin est le seul pays, le seul pays à avoir des bureaux de représentation
national des bureaux officiels, autant pour moi, des bureaux officiels de Solar Group en Afrique. Donc, c'est un moment incroyable, c'est un moment phénoménal où les autorités du Bénin étaient là. Voilà. Et il y a aussi eu la conférence au Togo, hein, voilà, que vous pouvez le voir dans cette image. Et tout récemment, en mars 2021, la représentation nationale du Cameroun a été inaugurée. Vous pouvez le voir là, c'est un moment formidable, extraordinaire, au Nomo Hotel à Bonanjo, où près de plus de 100 invités avaient répondu présent. C'était quelque chose de formidable. Donc, le Cameroun, c'était aussi la façon, vous pouvez d'ailleurs voir les images, n'est-ce pas? Les images de cet événement-là, de cette inauguration du bureau de représentation nationale de Burkina Faso. Que vous compreniez, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est des salles pleines, hein, des gens qui viennent apprendre, qui viennent découvrir, qui viennent comprendre qu'est-ce que c'est que les moteurs du local, qui c'est que la technologie du business, qu'on ministre la Ganga, et qui, une fois que ce projet d'investissement de l'entrepreneur sont présentés, ils leur prennent des parts d'investissement, ils achètent des parts d'investissement et s'offrent ainsi un potentiel important de faire fortune dès que l'entreprise va passer dans sa phase commerciale massive et entrera assurément en bourse. Voilà. Et donc voilà, Jibébé avec son assistante et partenaire Barbara Sakakina, qui est notre marraine en Afrique. Et voilà, donc, chacun de vous, chers invités, peut investir n'importe où dans le monde. Vous pouvez commencer à investir à partir de 50 dollars, c'est-à-dire chaque 5 000 francs, vous avez pu le voir en mensualité. C'est un projet transparent, c'est un projet qui est piloté par le gouvernement de Russie. C'est un vous avez la possibilité dans ce projet d'acheter des packs, un pack et de payer à plusieurs mensualités. Vous pouvez aller à 10, à 15, à 20 mensualités. Donc, vraiment, vous avez la possibilité de payer. Vous pouvez effectivement faire du partenariat. Ce n'est pas obligé de devenir partenaire. Vous pouvez simplement rester dans la position d'investisseur, acheter votre pack et vous en contacter. Mais vous pouvez devenir partenaire, promouvoir cette opportunité un peu partout dans le monde, générer des conditions qui vont vous permettre de payer vos parts, vos packs, sans débourser de votre argent. Donc voilà, merci m'avoir écouté durant cette heure d'échange. Je m'en vais ouvrir la séance de questions-réponses. C'est le moment pour vous de poser des questions afin que je vous apporte suffisamment d'informations sur ce projet. Merci d'avoir été attentif. Merci encore. Posez des questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez ouvrir votre micro. Et poser la question. Ou vous pouvez encore aller dans le chat et écrire votre question. Allô, bonsoir. Avez-vous des questions? Est-ce que ça a été suffisamment clair pour vous? Oui, monsieur. Bonsoir. Posez vos questions, je vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Posez vos questions, s'il vous plaît. Bon, bonsoir. Merci pour votre brillant exposé. On a pu remarquer toute l'énergie que vous avez à nous expliquer. Bon, moi, c'est Triomphant. Je suis lent. Je suis ingénieur en génie énergétique. J'aimerais savoir, les moteurs du Nord, s'agit-il essentiellement des moteurs électriques alternatifs ou encore ce sera courant continu? Parce que quand je cherche à voir le lien entre Solar Group et les moteurs électriques, quelle est la part de marché? Quel est le marché visé en termes de segments de marché, de segments de clientèle. Est-ce qu'il y a déjà des commandes par rapport au premier moteur acheté?
Est-ce qu'également, c'est dans le but de développer une industrie ou bien d'accompagner également la transition énergétique avec des moteurs qui seront moteurs basse consommation, qui seront capables de diminuer la consommation énergétique, bon, bref, à fort impact au niveau de la rentabilité industrielle? Merci. Très bien. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, c'est un moteur qui va... C'est une technologie de bobinage combiné qui va attaquer les deux, que ce soit le courant continu. Bref, il a la possibilité, il a la particularité de récupérer l'énergie électrique, fût-il que ce soit en courant continu ou interrompu, et de le transformer en énergie mécanique. Donc, il touchera tout type de moteur électrique asynchrone. Bon, c'est la première question. Il s'attaque à un marché aujourd'hui où on a plus de 10 000 types de moteurs asynchrones dans le monde. Dans les 10 000 types, il y a près de 7 milliards de moteurs qui sont chaque année remis en cause. Donc, imaginez 7 milliards de moteurs qu'il faille tous les ans rebobiner. C'est un marché énorme. Lorsqu'on sait que 60% de l'électricité dans le monde est utilisée par les moteurs électriques, on comprend qu'à travers cette technologie qui apporte des avantages énormes en matière de consommation d'énergie, notamment plus une réduction, une économie de plus de 40%, réduisant les coûts de production de moteurs de l'ordre de 40%, améliorant la fiabilité des moteurs, réduisant les bruits. On va même voir que même la taille, le volume des moteurs est réduit. Vous comprenez que c'est un moteur aujourd'hui qui a une véritable, qui est compétitif. Surtout qu'il va attaquer tous les différents secteurs d'activité. Aucun secteur d'activité pratiquement n'échappe à la technologie de bobinage Slavyanka. Donc c'est un marché important, c'est un marché énorme, c'est un marché réel que cette technologie agrège. Et aujourd'hui, tel que vous pouvez le voir sur ces images-ci, c'est des tests. C'est une technologie qui a déjà été éprouvée, que ce soit au niveau des trains, au niveau des voitures électriques, au niveau des vélos électriques, bref, au niveau de tous ces moyens de transport électriques. Et voilà, vous pouvez voir, là, par exemple, qu'il y a déjà des commandes. On va me le voir ici. Déjà, vous avez des voitures, des tests où cette technologie est utilisée. Vous avez, par exemple, ici, des tuk-tuk en Inde qui reçoivent déjà cette technologie de bobinage dans leur moteur. Donc, c'est un marché important. Vous pouvez, par exemple, regarder là, en Thaïlande, c'est près de 350 000 unités de tuk-tuk qui vont être équipées de cette technologie. C'est 20 000 à Bangkok, 1 200 000 au Sri Lanka, près de 1 500 000 en Inde. Donc, c'est un marché important. Et là, on ne parle que d'une partie de l'Asie. Vous avez des gouvernements, comme là, le gouvernement thaïlandais, le premier ministre thaïlandais, est lui-même venu superviser, est venu même expérimenter ou alors superviser l'expérimentation de cette technologie sur des moteurs, sur des bateaux. Donc, vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, c'est un moteur qui est véritablement utilisé, qui a aujourd'hui un marché réel, qui a aujourd'hui de la confiance, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a des brevets. Des unités de ces moteurs sont déjà produites. Hein, et on peut voir là même que dans des créneaux en Russie, ces moteurs sont utilisés, un peu comme dans ces triporteurs, dans tous ces équipements-là. Et on a déjà aujourd'hui des partenariats, notamment Victor Aristov en Chine, qui travaillent déjà à la promotion, à l'installation, à la vente, à la commercialisation, ne fût-ce qu'à une petite échelle de ces technologies. On a aujourd'hui des distributeurs de ces moteurs, tels que André Lomov en Russie, qui promeut déjà ces moteurs. Donc, aujourd'hui, c'est un moteur qui a un marché, qui est utilisé, dont les commandes sont déjà. Et je vais vous montrer, par exemple, la commande de ce moteur qui a déjà été faite. Voici, par exemple, la commande d'un client qui a été faite. Donc, voilà, c'est aujourd'hui, cette entreprise veut s'installer avec la volonté elle veut installer un bureau d'études qui va lui permettre de vendre cette technologie, notamment à ceux qui sont
des fabricants de moteurs d'acheter ces moteurs et de changer complètement le bobinage de leurs moteurs, ou encore elle a la possibilité de créer des moteurs, de fabriquer des moteurs qui viennent initialement avec cette technologie. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, ça va, ça va. Ça va. Sauf que on a l'impression que lorsque vous parlez, il n'y a pas d'obsolescence programmée sur les moteurs. Et comment est-ce qu'on va rentabiliser sur plusieurs, sur plusieurs années? Et en même temps, le système d'obsolescence programmée, de façon de dire que obsolescence programmée. Ok, d'accord. Quand je parle, ok, d'accord. On dirait qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée, donc du coup, ça a l'air de ne pas pouvoir réduire. Allô? D'avoir la rentabilité du système sur le temps, puisque ça sera un moteur qui va durer longtemps. En même temps, le système de crowdfunding que vous lancez, est-ce que c'est un système franchise par rapport à l'installation dans plusieurs pays? Parce qu'il faut noter quand même que l'entreprise est déjà assez grande. Est-ce que c'est un système de franchise ou bien c'est juste du crowdfunding à un échelle où c'est achat de parts ou encore il y a une unité de production, un partenaire ou un distributeur qui est là avec la même logistique, mais comment dire, une propriété en termes de franchise, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ou c'est juste les parts sociales à prendre dans l'entreprise. Oui, je vous comprends très bien. Effectivement, pour ce qui est de la programmation de l'obsolescence, non, vous pouvez bien vous imaginer qu'aucun moteur n'est éternel. Vous pouvez bien vous imaginer que ce ne sera pas un moteur éternel, parce que si c'est un moteur éternel, ça veut dire que une fois qu'on l'a fabriqué, on ne pourra plus le remplacer. Non, il y a toujours effectivement une obsolescence programmée sur une certaine durée. Et c'est d'ailleurs la raison, vous avez vu, j'ai par exemple évoqué dans le marché le chiffre de 7 milliards de moteurs qui sont rebobinables, qui sont mis à casse. C'est parce qu'effectivement, dans le domaine, c'est bien. Cela va de soi. Maintenant, pour ce qui concerne les partenariats, sachez que en fait, l'entreprise évolue effectivement avec un système de franchise qui donne la possibilité à des personnes qui veulent acheter cette licence de technologie pour installer, pour rebobiner leur moteur, de pouvoir le faire. Donc, en fait, l'entreprise n'a pas vocation, n'a pas l'ambition d'avoir des filiales dans des représentations officielles pour en termes d'unités de production. Non. Elle peut, sous commande de certaines entreprises, fabriquer des moteurs, mais ça, c'est dans son siège à Moscou. Mais elle attend que des personnes qui sont capables d'installer des usines de fabrication de moteurs, de pouvoir avoir un partenariat avec elles où ces personnes pourraient utiliser cette licence-là. Donc, effectivement, dans le sens de la franchise leur permettant d'utiliser cette licence, c'est ça la vision de l'entreprise, et non de se déployer ou d'ouvrir des unités de production un peu partout. Maintenant, une fois que c'est dit, vous avez la possibilité, donc, d'être investisseur dans le projet, c'est-à-dire vous apportez simplement vous achetez des parts sociales et vous attendez des dividendes, ou alors vous pourrez revendre ces parts sociales plus tard dans l'action bourse. Mais vous avez aussi la possibilité de comme je disais tout à l'heure, de prendre attache avec Victor Arestov pour l'exploitation même de ces technologies dans votre pays, dans vos usines, selon un partenariat, ou même avec Victor Arestov, il a la possibilité de fabriquer des véhicules, des motos, des bicyclettes, ou alors bien d'autres équipements avec ces technologies, et vous donner la possibilité de les revendre dans votre pays. Et maintenant, pour ce qui est de la mobilisation du crowdfunding, cela se fait à travers le partenariat, tel que je pouvais me le dire. Effectivement, c'est une autre source de revenus additionnels pour ceux qui ne se contenteraient pas simplement d'être de simples investisseurs. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, pour ce qui est de la bourse interne,
La bourse interne va être ouverte dès la fin de la mobilisation des fonds. Parce que vous imaginez que la bourse interne ne peut pas s'ouvrir tant que les parts sociales n'ont pas encore fini d'être vendues à l'interne. Ça serait comme faire, de la concurrence déloyale. Donc, c'est une fois que la vente des parts internes va être arrêtée, que la bourse interne va être ouverte parce qu'effectivement, il y aura des personnes qui, plus les étapes de réalisation avancent, vont s'intéresser. Et je pense qu'avant même l'entrée en bourse, ce sera une formidable opportunité de se faire de l'argent et de revendre. Donc, d'où l'intelligence d'acheter le maximum de parts d'investissement maintenant. Donc, c'est pour bientôt. Il nous reste 4 étapes avant la fin de la mobilisation de la peau de collecte. Et dès qu'elle est terminée, la bourse interne va être ouverte. Donc, sur ce, je ne peux que vous dire, profitez encore de ces quelques étapes qui restent pour acheter le maximum de parts d'investissement parce que, voilà, plus vous en avez. Gilles Weber, notre partenaire national, a tendance à recommander d'avoir au moins 1 million de parts d'investissement. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez encore profiter des étapes. Vous pouvez être partenaire, gagner des commissions et payer vos parts. Donc, vraiment, profitons à fond, chers frères et sœurs africains, de cette opportunité de devenir investisseur dans une potentielle grande entreprise qu'est l'entreprise Sovermac. Donc, merci à tous. Bonsoir et à la prochaine présentation. Merci, bonsoir.